Depuis presque deux décennies, Tom Cruise offre le même cadeau d'anniversaire à une actrice américaine qu'il connaît bien. Dans l'émission Kelly Clarkson Show, elle a révélé de quel présent il s'agissait. Tom Cruise ne manque jamais une occasion de gâter ses proches. Depuis 20 ans, il entretient une tradition originale avec une actrice qu'il a rencontrée alors qu'elle n'était qu'une petite fille. L'acteur, désormais âgé de 61 ans, offre un cadeau d'anniversaire chaque année à Dakota Fanning. Tom Cruise et Dakota Fanning ont partagé l'affiche du thriller de science-fiction La guerre des mondes de Steven Spielberg en 2005. Depuis que l'acteur a interprété Ray Ferrier, le père de la petite Rachel, campé par Dakota Fanning, il a gardé contact avec la jeune star. Dans l'émission Kelly Clarkson Show, repéré par Hello, j'ai trouvé ça incroyable. Chaque année, le jour de ton anniversaire, Tom Cruise t'envoie toujours un cadeau, a déclaré Kelly Clarkson. Dakota Fanning a révélé que l'icône hollywoodienne lui achetait une paire de chaussures pour chacun de ses anniversaires. Elle a commencé par expliquer qu'elle avait reçu son premier téléphone portable, un Motorola Razr, de la part de Tom Cruise pour son 11e anniversaire. Je voulais tellement un Razr, et j'ai dû en parler beaucoup parce que c'est ce qu'il m'a offert, c'est remémorer l'actrice. Mais après ce cadeau, elle a commencé à aimer les chaussures. Alors qu'elle n'était qu'une jeune fille, elle chaussait déjà une taille adulte, donc à partir de là, Tom Cruise lui a offert des chaussures. Tu dois avoir une énorme collection de chaussures offertes par Tom Cruise, s'est émerveillée Kelly Clarkson. Et si le compte est bon, la star américaine doit désormais avoir 19 paires de chaussures. Suri, la fille de Tom Cruise, a définitivement coupé les ponts avec son père. Le 18 avril dernier, Suri, la fille de Tom Cruise et Katie Holmes, a célébré son 18e anniversaire. À cette occasion, la jeune femme a pris une décision significative, elle a abandonné le nom de famille, Cruise, a révélé Hello, le 9 mai dernier. Lors d'une représentation théâtrale à New York, elle est apparue sous le nom de Suri Noël, adoptant ainsi le deuxième prénom de sa mère. Un changement subtil mais révélateur de son désir de se distancier de son père. Car depuis de nombreuses années, Suri n'a plus de lien avec Tom Cruise. Selon des sources proches, la distance entre eux remonterait à son enfance, ayant été élevée exclusivement par Katie Holmes, divorcée de l'acteur en 2012.